Okay. President, please be seated. The court is now back in session, and the floor is given to the co-prosecutors to have the last chance to put questions to the expert witness Ysa Osman. The chamber reminds the co-prosecutor together with the lead co-lawyers for civil party that the maximum time you have is 50 minutes. Il dispose de 15 minutes au you maximum. May not have the floor. Vous avez la parole, l'accusation. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Merci, everyone. Président. Bonjour à tous. Mr. Witness, sir, I want to just ask you a few Monsieur questions le témoin, j'aimerais vous poser about questions. Chamker Liu. If you recall, we were discussing with defense counsel this morning vous a telegram parlé ce matin avec concerning Chamker Liu district. Et vous avez parlé d'un telegram do you know concernant who le district were, de Chamker Liu? Do you know the name of the secretary of the Chamker Liu district du secrétaire in du the district 1977-78 period? But Kim Skoll. Answer. Réponse. I know her. She was Guy Fawkes' wife. Her name was Soo Soon. Elle s'appelait Soo Soon. Thank you. And you know who was the deputy secretary question. At that time, in 1977, qui était le secrétaire adjoint à l'époque, before moving to another area. Avant de passer à une autre localité. If you don't know, just say so. You don't recall. Come on. Thank you. Did we get the answer? Did we get the interpretation of the answer? Merci. Est-ce que nous avons eu l'interprétation de la réponse? I do not know. Réponse. Thank you. Now a name non, did come up. Je ne le sais pas. I believe today, l'accusation. Earlier in your testimony, vous avez mentionné son nom, or a nickname, tantôt Ho, dans votre déposition ou son the gentleman, surnom. Vous avez parlé term, de the individual who was. In the house il s'agissait de la personne where the Cham girls were qui était dans Treya, la maison who was identified où as the district secretary été at that time. À et cette personne a été identifiée comme le secrétaire de district à l'époque. Do you know where Ho, otherwise known as Ban Siek, Ho, where he had come from alias Ban Siek, before going to Crouch Chamar district? D'où Ho provenait avant de se rendre au district de Crouch Chamar? Before he went to work réponse. At Crouch Chamar, he was one Crouch of the cadres il était l'un des cadres at Chamker Liu. At Chamker Liu. Now you wrote something about Chamker Liu in your vous book avez, Okuba, that's E3, 1822, Okuba, in one of the back pages. 22. There's not a ER end in Khmer. It's page 120 in the English version of the book. And the French ER end is 00758331. You said that 1,100 Cham families had lived in Spu, or Akmok village, in Chamker Liu district, only 100 of whom survived the DK regime. Et seules 100 familles ont survécu au régime du Cambodge démocratique. Is that based on your research from talking to people from ces chiffres se font de Spu village in Chamker Liu district? Sur vos recherches menées auprès des villageois du village Psu dans le district de Chamker Liu. Answer. That is correct. Réponse. C'est exact. That was the interview I conducted with Oknya, or tycoon, Sosdamray, Kamray, rather. Au tycoon, Ben Kiernan, Kamray. In his book, The question. Pol Pot Regime, ben E3/1593, also discusses Pol Pot Spu and the Cham at page 278. And the Khmer ERN begins on page 00. Page 637792 to the next page. Jusqu'à la page and suivante. The French is 00639051 and on to the next page. Et
He talks about a person named Ibrahim. Il parle d'une personne appelée Ibrahim. And how Ibrahim told him of a second roundup of champs from Ibrahim both sides of the river. D'un deuxième rassemblement they de champs de l'autre côté de la rive. Ils ont été amenés par camion. They were taken to Chamkat Andong Plantation. Ils ont été conduits à la plantation de Chamkat Andong District. Dans le district de Chamkarlu. He said that the whole district was smelling. Il a dit que tout le district. And Kiernan writes of the 150 Cham families who arrived in Spew in 1975. Et que 150 familles étaient arrivées à Spew en 1975. Survived in 1979. Familles sur celles qui avaient été décimées ont survécu en 1979. He also on page 430. 43 familles. Correction interprète. Discusses à la page 130, a interview with a fisherman, Sama Ni, il présente une interview avec un pêcheur, Chongfrey Sama Ni, district, de, who says 105 Muslim qui dit families from Tanakh village familles, musulmanes de were massacred in 1978. Ont été massacrées en 1978. Kiernan quotes him as saying, "No one survives. My cousins who made the Hajj, my aunts, were all rounded up. Mon they cousin, were put on ox carts and taken to Chamkarlu, killed and dropped into ditches." So, as what Kiernan has found in his research, consistent with what you found about the treatment of the Cham race in Chamkarlu district. De la race Cham dans le district de Chamkarlu. Answer. Réponse. I want to clarify the point that j'aimerais éclaircir ce point. There was a big Cham village named Okmuk or Spu in Chamkarlu district. Dans le district de Chamkarlu. However, during the Khmer Rouge time, Cham did not live only in that particular village. Ne vivait pas uniquement dans ce village précis. A large number of Cham people had un been grand Cham transferred out of the east zone. Avait été déporté hors de la zone est. After Cham stood up and rebelled, et ce, après some of them were put in Stang Trong, and some ont été envoyés à were sent to Chamkarlu et or à Chamkarlu. Apsu Barai district, Kampong Thom province. District de Apsu Barai, province de so the research of Ben Cannon was involving with those who had knowledge of those facts, and they may have been from other regions. In short, qui provenaient d'autres régions. The finding of Cannon about the killings at Chamkarlu was consistent with my research about that issue. Sont conformes à mes recherches sur from ce sujet. Your research, question. For these two books, d'après Okuba and the Cham Rebellion, did you reach any ouvrages, conclusion et, as to whether the Cham race in Chamkarlu was or was not si treated as an enemy Cham, of the Khmer Rouge regime? Était traité ou non comme des ennemis sous le régime des Khmer Rouge? But, answer, that is correct. Réponse, c'est exact. In 1977, from the beginning of 1977, specific target was noted. Cham people, although they stopped believing or practicing their religion living in different parts of the country, they were accused of being enemies and later on killed. We've also discussed in the last 2 days, again, we've discussed the events of the resistance in Kopal and Sveiklang, and the suppression, the disproportionate suppression by Khmer Rouge forces of that, those rebellions. Des rebelles
ou du mouvement rebelle. In your research, have you ever come across anything to indicate that the people responsible for crimes committed against the people of Kopal or Svat clan were ever punished by the DK authorities, higher authorities, or if in any other way the higher authorities indicated any disagreement with the treatment of the Cham by the local forces? En ce qui concernait le traitement des Cham, le traitement réservé aux Cham par les forces locales. Answer. To my observation, réponse. The crackdown on Cham's rebellion movement, la répression du mouvement de rébellion des Cham, the transfer and the selection of those who were involved in the rebellion and then were killed, la sélection des personnes impliquées dans le mouvement de rébellion qui ont été par la suite tuées, agreed and was decided by those who were in the upper level. A été prise par in this regard, soldiers from Region 21 were involved in that crackdown. Dans now, cette répression. You've indicated back when you testified question. In February vous avez indiqué that following votre these rebellions, février, qu'à la suite de cette there was rébellion, a wide, large-scale transfer of the population, forced transfer of Chams de la population, from Crotch Chamar and other parts, I believe, of Sector 21 de Crotchmar et d'autres to other sectors sector and even other zones. Vers is that d'autres correct? Secteurs et d'autres régions et zones. Est-ce exact? Just answer yes or no. Vous pouvez répondre par oui ou non. Answer, that is correct. Réponse, so my question oui, about exact. That is, sir, how were the Cham treated comment once they were transferred Cham? To other sectors, une fois other zones? Did their treatment improve? Zones, le sort qui leur était réservé s'était-il amélioré? Le traitement était-il meilleur? Answer. Réponse. Upon their arrival at the new locations, arrivée, they were dispersed out of the communities. Two or three families were sent to live in different places from others, Cham communities. Some Cham people were separated from their parents, their children. They were living in separate locations. That applies to the young babies and children as well. This dispersion was to observe and scrutinize the Cham people whether or not they stop believing in their religion. De près and in particular pour for si those who were transferred across the river from the question. East zone certains ont été transférés à Kepok, I think at that time called dans the central zone, Kepok, zone. La zone centrale de l'autre côté du fleuve. How were they treated? Comment how were the Cham people treated traité? In 1977-78 in the central zone? Dans la zone centrale. Answer. The transfer of Cham people out of the East zone le transfert des happened Cham in de late la zone 1975. Est. And à la fin the de situation became worse. La situation a empiré. In late 1977, that happened in the central zone and in the east zone. Those who were considered Cham people were taken away and killed. Comme des Cham étaient amenés pour être and exécutés. Those who were to be on the suspicious group of Cham people would be sent to be interrogated and later on killed. For those who said that they were Cham, they were sent away and killed. And if they said they were Khmer, their lives would be spared. And a few Cham females, five or six, survived the regime because they lied to those cadres that they were Khmer.
cadre en déclarant que c'était Khmer. Also, I believe it's undisputed, I believe, in the evidence in this case, that in 1978, by the middle, latter half of 1978, cadres from the central zone and southwest zone were sent to the eastern zone ont été envoyés following dans purges la zone est and put in charge à la suite des purges of various districts et ont été mis à la tête de plusieurs districts given administrative functions. Et se sont vus attribuer des fonctions from your research, how were the Cham people who remained, and I believe you said some Cham people were sent back to Krochmar late in the regime, how did they fare under these central zone and southwest zone cadres who were sent into Sector 21 late in the DK regime? Dans la zone 21, un peu plus tard, pendant la période du Kampuchea démocratique, vers la fin du régime du Kampuchea. Réponse. After they learned that they would be sent to their après avoir birth villages to gather up with their family members, everyone was so delighted and in the hope that they would meet their family members. But that was the pretext to gather up Cham people to be killed. In reality, those who returned to their birth villages and were later found that they were from Swai Kleang village and Kopal village, et qui était originaire de Sekleng et Kopal. Certains d'entre eux étaient tués avant même d'arriver dans leur village natal. So, sir, my question, I'll just try it one more time to be more specific. Je vais essayer d'être un peu plus précis. In your research, encore une fois, tell me whether you can or cannot, could or could not reach any conclusion about whether Cham people in the East Zone sur la question de savoir si whether their situation improved, la situation des Cham remained the same or changed in any other way when central zone and southwest zone cadre replaced east zone cadre. Lorsque les cadres de la zone centrale de la zone sud-ouest avaient remplacé ceux de la zone est. The situation became worse. La situation and avait even empiré. Worse in 1977 and 78 when hundreds of Cham people died. Thank you, Mr. President. I don't have any further questions at this time. L'accusation, Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Je vous remercie. President, thank you. What about Lawyers for civil parties, do you have remaining questions to put to this expert witness? If so, please proceed. Au témoin expert, si oui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions. Thank you, Mr. President. We don't have any questions. President. Le Président. So now the chamber passes the floor to the defense team for the accused, starting first from the defense team for Mr. Nguyen Chia to have a chance to put last questions to the expert witness. This is the last chance for you. Question finale à l'espère. C'est votre dernière chance, maître. Just a clarification. Is this the closed session? Un point de précision, Monsieur le Président. Sommes-nous à huis clos? I can respond to that. Mr. President, la défense, I only je peux y répondre. Minutes. Monsieur le Président, je n'ai que 25 minutes, subjects. Mais j'ai deux autres sujets à couvrir. That, my questioning on demographics j'ai pris la décision que I find more important than ma going question into closed session. So sur la démographie et la statistique est plus importante que d'aller à huis clos. Nous resterons donc en audience publique. Je consacrerai mes 25 minutes figures. Sur les chiffres de la population Cham et les statistiques. President, please proceed. Unless you want to use the documents that need to
be examined in the closed session. So if it does not need to guarantee the confidentiality of the investigation, we can hold this hearings in public session. And please inform the chamber if you wish to use those relevant documents. Then the chamber will proceed to closed session. And Mr. Co-prosecutor, the chamber has decided already that this expert witness, the testimony of this expert witness will be concluded by this afternoon. I have repeatedly reminded the parties, and we need to conclude hearing the testimony of this expert witness. We do not want to delay much of the time. And in our practice, usually we have never heard the expert witness in more than 4 days. And for this expert witness, now it's almost 4 days, or it's over 4 days already hearing him. Thank you, Mr. President. As said, Mr. Osman, I will Monsieur le Président. Only focus Osman, on comme je l'ai dit, je vais uniquement m'appesantir sur la population Cham avant 1975 et après 1979. It's a very complicated topic, c'est un so sujet I will complexe. Guide you a bit through certain figures. Et je vais vous soumettre quelques chiffres. Your position, your expert opinion that before 75 there were 700,000 Cham living in Cambodia, Cambodia and avant that after 1979 only 200,000 Cham survived. Il ne subsistait que 200,000 Cham. Now let me ask you first, j'aimerais vous poser do you know who la question de savoir Jacques si Migozi vous connaissez is un certain M-I-G-O-Z-Z-I. M-I-G-O-Z-Z-I. I have not known this particular individual. Je ne connais pas cette personne. I would like to request for the correction. I did through the Khmer channel, I heard 2,000 Cham people. In fact, it was 200,000 after 79, and it was 70,000, not 7,000 or 2,000. That's a mistranslation. I said 700,000, and you said 200,000 surviving. My question is, do I understand correctly, you do not know who Jacques Migozi is? Vous ne connaissez pas qui était Monsieur Jacques Migozi? Answer. Frankly speaking, I have not known this particular individual. Je ne connais pas cette personne, pour dire. You are citing him in your own work. La défense, vous le citez pourtant dans Okuba. E3/1822. 1822. On English, ERN 00078450. In footnote 6, you refer note de bas de to page the 6. Work of Migozi. Vous renvoyez au travail de Migozi. Cambodge, fait et problème de population. Cambodge, fait et problème de population. Facts and population problems. Let me introduce Migozi to you. He was a French geographer. Était un géographe français. Kiernan, Chandler, et Kiernan, and also Eva Tabo consider him to be the leading et un autre chercheur dont n'a pas suivi le nom, of Cambodia. Comme le principal démographe. For reference, Pol Pot regime by Kiernan. Je vous renvoie E3/1593. English ERN 00678780 en anglais. Eva Tabo says he was the leading analyst. Dit de lui qu'il était le principal analyste. 62 census, that is E3/2413 at ERN 003 85243.
And 0385 243 describes him as the most thorough comme étant demographer working le in Cambodia before the le war. Plus exhaustif, travaillant au Cambodge avant la guerre. Migosi is very a very important person when it comes to the population of Cambodia, particularly the population of the Cham. Notamment la population des Cham. All scholars agree tous les chercheurs that s'accordent. It was his estimate of the total Cham population in 1970 that it was about 150,000 Cham living in Cambodia. À savoir qu'il y avait environ 150,000 Cham vivant au Cambodge à cette époque. Vickery is saying that Minosi came up with this 150,000 total a obtenu ce total de 150,000 as a new, higher estimate than was normally done. Qui est une nouvelle estimation plus élevée par rapport aux chiffres obtenus. Je renvoie à la chambre au document E3/93/82. The leading demographer says that there were about 150,000 Cham in Cambodia living in 1970. En 1970. Subsequently, there has been an academic debate between, on the one hand, Michael Vickery, and on the other hand, Ben Keenan. Are you Ben aware Karen? Of that academic debate between those two scholars? Au courant de ce débat presque scientifique entre ces deux chercheurs. No, I réponse, was not. Je n'en sais However, rien. I read his book. Cela dit, j'ai lu son livre. That is the book of each, Vickery and Le livre Ben Keenan. De Vickery et celui de Ben Keenan. As for the individual name Migosi, that's what I heard. I do not know him. Je ne le connais pas. And I use his word, his name Migosi, in my book. Dans mon livre, that is in reference to the names that Ben Keenan used un nom in his qui book. Est utilisé par Ben Keenan lui-même dans son livre. I understand. La défense. Je comprends bien. Presuming that you do not know the content à of the academic debate between Vickery and Keenan, Vickery allow et me Keenan, to lead you j'aimerais brièvement vous le présenter. Vickery is heavily criticizing critique sévèrement Keenan en affirmant que ce Keenan dernier has been tinkering or fiddling with statistics. Affecter les statistiques qu'il y a touché de façon tendancieuse et cela pour prouver une thèse politique comme il la désigne. Bien entendu, la défense souscrit à cette position, mais plus important, c'est que la critique adressée par Vickery à Keenan concerne le fait que ce dernier passe d'un nombre de 150 000 Cham en 1970 à un nombre de 250 000 Cham en 1975. Vickery dit que si l'on se base sur une croissance démographique normale, on n'arrive pas à ce chiffre. De surcroît, il y avait une situation de guerre et les Cham ont été touchés. Ils ont essuyé des victimes particulièrement lourdes et donc il n'arrive pas à un chiffre de 250 000 Cham en 1975, mais bien à un chiffre d'environ 190 000 Cham. À cette date. The next real count of Cham le people was in décompte réel des Cham suivants a eu lieu en 1900. And then through certain calculation methods, 92, they both come les deux sont d'accord là-dessus et ils arrivent à des chiffres complètement différents. Vickery dit que le nombre maximal casualties de victimes Cham was
a été de 10 170 personnes, tandis que Kiernan affirme qu'il y a un total de 77 000 victimes. For reasons which are not relevant here pour now, des raisons dénuées de pertinence en l'espèce, Vickery on 10,000. We will argue at one point that it might be less than that. Nous allons soutenir un certain point que peut-être que le chiffre réel sera en deçà des 10 000 et quelques de Vickery, mais vous-même, avez-vous connaissance que Vickery ait apporté des arguments qui nous semblent convaincants pour dire que le nombre de victimes n'était pas de 200 000, comme vous l'affirmez vous-même, mais bien 10 170 personnes au maximum. Mr. Expert, le président, monsieur l'expert, veuillez attendre. La parole est à la co-avocate principale pour les parties civiles. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Je President. N'ai pas bien noté, je pense, la référence qui est donnée par notre confrère. The reference that was given by my colleague properly, I believe. I believe that he provided reference E3/9382, qui était le document sur lequel figure le chiffre de 150,000 CHAM dans les années 70, qui est le début de sa démonstration. Et le document E3/9382 ne correspond à aucun document corresponds qui to document that may contain that figure. So please, could you please give us again le numéro du document, the document number in which you say that the figure of 150,000 CHAM is present, because we didn't understand that clearly. Certainly, la défense, as I said, bien entendu. Comme je l'ai dit, Kiernan ne conteste pas le chiffre de 150 000, mais oublions Kiernan et Vickery pour l'instant. Pour parler d'Eva Tabo, elle, dans son rapport, signale le même chiffre, 150 000 CHAM, peut-être 153 000, mais disons 150 000 en 1970. So again, my question, encore une fois, ma question est la suivante. As I said, all scholars, tous les spécialistes et experts sont d'accord sur ce chiffre approximatif de 150 000 CHAM environ en 1970. Vous ne connaissez pas la nature du débat académique entre Vickery et Kiernan. En revanche, est-ce que tout au moins vous connaissez le nombre qu'avance Vickery, à savoir 10 170 victimes CHAM? Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je me permets d'insister you, parce President. Que je n'ai like toujours pas la référence. Because I still did not obtain quand the vous parlez de Tabo, qui parle de 150,000 CHAM avant 1970, est-ce que vous faites référence à l'IERN 0038583543 du document E3/9413? Est-ce que c'est ce document auquel il faut qu'on se réfère ou non? Est-ce qu'on peut avoir une référence précise? So could we please have a specific, precise les numéros reference. Des documents et les IRN, let us say the document number and the ERNs, where you see this figure of 150,000 CHAM appear, so that we may follow your explanations properly. Maître Coppe. It's in the demographic expert report E3/2413. It is in Keenan's article. Ça se trouve dans l'article de Kiernan. It's in Ben Keenan E3/1593 en anglais. 01149993. Le chiffre se retrouve aussi again, dans d'autres articles. I would appreciate it, une fois de plus. There's no continuous interruptions, Mr. President. Qu'on cesse de m'interrompre continuellement, s'il vous plaît. Help me. Monsieur le Président, aidez-moi. Perhaps I could be of assistance to counsel.
l'accusation. Je peux aider l'avocat. Il a déformé ce que dit Tabo et Kiernan. Si on prend la page 49 du rapport démographique, E3, barre de 2413-0038, 5311, et là, il y a un paragraphe qui dit ceci. D'après Kiernan, en 75, la population était So that's the correct figure for Kiernan's estimate, according to Tabo. I haven't had a chance to look up the references counsel gave to Kiernan. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier les références données concernant Kiernan par la défense. Chacun peut se tromper, bien sûr, mais je pense que la défense emploie une autre version du livre de Kiernan que la nôtre. Et donc, les ERN sont différents. Je sais qu'il y a eu un rectificatif. La défense, par ailleurs, a donné beaucoup d'informations présentées comme précises quant aux chiffres démographiques. Quelque chose m'a peut-être échappé, mais si j'ai bien compris ce qu'il a dit, il y a eu un recensement des CHAM en 1982, cela me semble erroné, qu'il me corrige le cas échéant. Je ne pense pas qu'il y ait eu un décompte des CHAM en 1982. Il pourrait peut-être réagir. La défense. Je pourrais donner lecture de tout pour répondre au dernier argument. Michael Vickery's article. Je renvoie à l'article de Michael Vickery. E3 of Kampuchea's bar 93-82, il y a un décompte à la période de la RPK. Le président interrompt. Maître Copper, veuillez ralentir quand vous citez des codes et des ERN. And it is rather confusing also for the chamber. Please do it again and slowly this time. Une certaine confusion pour la chambre. I apologize. La défense, mes excuses. C'est simplement qu'il reste 25 minutes et ces interruptions me rendent nerveux. E3, bar 93-82, article de Vickery. He refers to il fait référence à un recensement des CHAM en 1982, 182 200 CHAM. Et le chiffre qui en ressort. Dans le même paragraphe, Vickery dit que d'après les estimations de Migosi, c'est la page 42 du livre de Migosi, the Islamic minority, as la minorité musulmane, comme l'appelle Migosi, s'élève à seulement 100 000 personnes en 1970. Furthermore, he says, ensuite, the figure of 150, le chiffre de 150 000 se retrouve dans un contexte où Migosi critiquait les chiffres officiels cambodgiens relatifs aux minorités au motif qu'ils étaient trop bas. Il semble avoir considéré que son propre chiffre de 150 000 au total était une estimation à la hausse présentée parallèlement à ces chiffres révisés à la hausse concernant les Vietnamiens et les Chinois. Migosi, let's stick to Vickery. Is calculating the CHAM population. D'après Vickery, Migosi estime qu'il y avait environ 150 000 CHAM en 1970. Again, et je répète ma question. Mr. Osman, are you Monsieur aware l'expert. Of Vickery's count of a figure which of course is still high? Savez-vous que Vickery arrive à un chiffre qui demeure certes élevé et qui s'élève 10 170 CHAM qui auraient probablement péri sous le cadet. La défense, l'accusation, mes excuses, mais E3, bar 9382, ce n'est pas un article de Vickery. Labeled radio comment on national effort against Vietnamese. Des commentaires à la radio sur les efforts nationaux contre les Vietnamiens. So we would
like to follow that nous aimerions along, pouvoir follow along suivre with that. I see no longer la plaidoirie. Saying that Kiernan estimated the population la défense ne dit plus qu'il y avait 150 000 CHAM en 1975, chiffre de Kiernan. C'est un thème complexe. Il est difficile de résumer les débats universitaires précisément, mais nous devons pouvoir. Vérifier si les chiffres avancés sont exacts. La défense dit aussi que les estimations de Vickery étaient hautes, or ce sont les plus basses qui soient parmi démographes, mais soit ceci n'a rien à voir avec l'interrogatoire de l'expert et rien n'est donné à l'appui de l'avis de la défense. La défense, je le répète, il reste 25 minutes, j'essaie de résumer, mais j'ai simplement donné lecture d'un document is also known as E367/4.1.7. Connu aussi sous la code de E367/4.1.7, because it's written with pen E3/9382. It's an article 9382, of, c'est ce que j'ai moi, c'est un article de Vickery in, the bulletin of concerned dans Asian le scholars, bulletin des experts de l'Asie préoccupés, c'est cité par Eva Tabo. And it deals with this discussion. So, et il est question de ce débat. I will drop everything on about what Kiernan says. Let me just oublions focus ce que on dit Kiernan, concentrons-nous sur les écrits de Vickery. In any event, Mr. Osman, coming Monsieur back to my question. Osman, Vickery, je reviens à ma question. Is coming to a completely different count. Not only then, Kiernan, but Vickery also you, parvient à des chiffres différents des vôtres et de Kiernan, 10 170 victimes, as opposed to 77,000 of Kiernan and 200,000 of you. Par opposition à vos 200 000 et aux 70 000 de Kiernan. To this, did you pouvez-vous know this? Réagir? Le saviez-vous? And if yes, et si oui, what is your expert opinion en tant qu'expert, que pensez-vous des chiffres de Vickery? Réponse. I stated earlier, comme I je l'ai dit, books by j'ai ben lu Kiernan les livres de Ben Kiernan et de Vickery. I also reread the point. J'ai aussi that is on relu the population ce of qui the concerne people. La population Cham. They cited the sources that they hate. Une source est citée. However, for my research, mais I did not rely on their dans mes recherches, documents. Je ne me suis pas appuyé sur leurs documents ou leurs sources. Nor did I rely on the figure that the truth sur gave in les chiffres their avancés par les deux book. Dans leurs livres respectifs. And for that reason, I relied on je the accounts of witnesses and the documents that I could find. Que j'ai pu retrouver. And I came to a et conclusion that my figure is much higher than beaucoup plus élevé. The population of Cham people before 1975 was much higher than their figure. Que ne le laisse however, leur chiffre. The figure of the Cham population after 1979 après 79 was similar. So after the reduction, then the standing figure of mine is much higher. Et donc, mais as for the figure for those in various districts and then the Kampong Sim and my native village Svaiklang, mon village natal, à présent. Although the number of Cham children have been born since 1975, the total population at present is much, much less than the figure of the population pre-1975. Il y a beaucoup moins de Cham qu'avant 75. Moving away from the academic la défense. Debate oublions and, le débat académique entre Kiernan et Vickery. You are, in your book, citing, dans votre livre,
Migosi. Vous citez Migosi. You actually quite extensively refer to him in a footnote. Dans une note de bas de page, vous y faites abondamment référence. What are your arguments? What is your expert opinion as to why en tant Migosi qu'expert, pourquoi was wrong? Est-ce que Migosi when he calculated se trompe the charm population in 1970, quand il établit en 1970, la population Cham a 150 000 individus. It seems that everyone agrees that apparemment, he was, chacun s'accorde à dire que Migosi était par excellence le démographe de référence pour le Cambodge de l'époque. Pour ce qui est du nombre total de populations autres que les Khmers, bref, l'expert par excellence en démographie. His, counting, why do you not give any arguments, pourquoi, in your book, dans votre livre, vous n'opposez aucun argument even pour le discréditer en tant qu'expert ou pour affaiblir son expertise? Réponse. In my book, the content was based on le contenu my research de mon livre se fonde sur mes recherches. However, there is nowhere in my book that I mentioned toutefois, any of them is incorrect. And to be frank, on ne peut pas dire que je n'ai cité I personne dans mon livre. My trust et pour être sincère, a person je ne peux pas placer ma confiance dans une personne qui n'a publié aucun livre. If I met Migosi and if he presents me his sources, si je rencontrais Migosi et qu'il me donnait ses sources, alors the issue. Peut-être que je pourrais réexaminer la however, question. As I stated, I mais only comme je l'ai dit, knew, Migosi, as his name was in the reference. Le nom de Migosi se retrouve dans les notes. Je le connaissais suite aux travaux de David Chandler qui and s'y référait. I would, refer to any, work, et bien entendu, that is available in Cambodia je serais prêt as a result of the research by Migosi, à examiner but at that time, I could tout find nothing. Toutes données qui seraient le fruit des recherches de Migosi au Cambodge, mais à l'époque, well, je n'ai rien trouvé de tel. That's interesting because in your footnote, la défense, ça devient intéressant, car dans votre note de bas de page, vous Cambodge faites référence à son livre « Cambodge, faits et problèmes de population ». Vous citez son livre en note de bas de page. On peut donc supposer que vous avez lu ce livre. Sinon, pourquoi l'indiquer en note de bas de page? Let me ask it differently. Je vais poser la question différemment. The number of 700,000, le chiffre de 700 000 Cham, si je vous ai bien compris, Okuba, dans votre livre Okuba, vous y parvenez en vous appuyant sur des entretiens avec Adam, Zakaria et Adam, Van Matt, Van Matt and Matt et Matt Lee. And Van Matt in his turn refers et to à son tour, Van Matt fait référence aux annonces du général Las Kossem. What did you do to make sure that, qu'avez-vous fait these numbers pour vérifier que ces chiffres were not highly inflated, n'étaient pas grossièrement exagérés very strong par des gens qui avaient un intérêt politique très vif raising the number of à accroître as high as they could le nombre de Cham in order to convince, the world that the genocide victime autant que possible pour convaincre le monde quotes, de l'existence d'un génocide. Autrement dit, les trois personnes mentionnées n'avaient-elles pas intérêt politiquement et idéologiquement à exagérer ces chiffres de la population Cham? I'd like to add to what you have said regarding the interviews with Zakaria Adam, Van Matt, and Matt Zakaria, Lee. Adam, and actually, Matt Lee in et addition Matt, to that, en plus de I cela, relied on je me suis appuyé sur un autre document issued by
ministère du culte et de la religion. And I actually use their figure as well. J'ai utilisé aussi leurs chiffres à eux. And I also refer to a book published Je me suis by Naïve aussi Pena, appuyé sur un livre de Naïve Pena who provided the figure of the Cham où l'on trouve des chiffres sur la population Cham d'avant 1979. J'ai aussi interrogé Sokamrei. Il m'a donné figure. Des chiffres analogues. So in conclusion, bref, I have several accounts of those people who confirmed a Différentes personnes figure, ont avancé des chiffres as well similaires. As the true documents that I relied upon as my sources. De même que des chiffres qui concordaient avec ceux de mes deux documents sources principaux. I do not believe there is any interest to inflate Je the number of the Cham people who were killed during the regime. Le nombre de Cham qui Everyone sont morts pendant le régime, qui ont été tués. Chacun veut obtenir justice. And their accounts are based on Et their experience se fondent sur during the regime. Leur expérience de ce there régime. Is no gain for them to Ils n'ont rien the à gagner of Cham people. À gonfler les And of chiffres course, if there were no de la population de Cham. Died, then Bien I would, sûr, say so. Si But as a result, aucun Cham n'est mort, je le dis, mais on peut bien constater que les Cham ont pratiquement été exterminés par ce well, régime. La défense. Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Osman, mais je vous pose une dernière question. Possédez-vous des documents? Avez-vous fait des recherches? Vickery or Keenan or Ava Tabou didn't possess? In other words, et avez-vous trouvé des documents que Vickery, Kiernan et Tabou n'auraient pas eu en leur possession? Autrement dit, avez-vous plus d'éléments en votre possession que ces personnes? Avez-vous utilisé des informations qui ne leur étaient pas disponibles? Réponse. I referred through the figure by previous researchers. Je me suis référé aux chiffres des chercheurs qui m'avaient précédé. I actually highlighted the figure asserted by Ben Kiernan, by Vickery, y compris and the figure les chiffres that de I Vickery, myself Kiernan, relied upon et as a result les chiffres of my sur research. Lesquels je me suis appuyé and that dans is le cadre open de mes recherches. For, readers, J'ai présenté ces and chiffres et c'est And that is a fair approach. Lecteur d'apprécier. Je présente tous les chiffres des autres well chercheurs figure, ainsi que mes propres so chiffres they can make their own et decision. Chacun peut prendre position. Thank you very much, Mr. Osman. Thank you, Mr. President. La défense. Merci, Monsieur le Président. I'd like to hand the floor le Président, to le juge Lavergne a la parole. Oui, c'est juste une précision yes, pour les just a point of clarification for the record. The document Council Copa was referring to as being the article published by Michael Vickery is not at E3/9382, but at E3/9682. That is indeed what I had originally, but then I La défense, changed it, c'est ce que it's j'avais correct. Initialement, c'est, puis j'ai changé, mais vous avez raison, c'est bien la bonne cote. Merci, Monsieur le Président. Juste une remarque également Just pour le procès-verbal d'audience, puisqu'en relisant ce document, et l'interprétation que nous en faisons aujourd'hui, c'est que le chiffre que donne Mikosi est de 216 000, et non pas de 150 000. Soit j'ai mal lu et mal compris quelque chose, soit le confrère a mal expliqué, mais en tout cas, je souhaiterais donner la référence à la Chambre pour qu'elle vérifie dans le cadre de son délibéré. So that I can verify donc this when c'est it deliberates. Le document so document E3/9682 dont nous venons parler, et je suis à l'IRM. And I'm at ERN 011-99-597. Et pour moi, le and chiffre me, est de 216 000 figure is of 216,000 voilà, in 1975. That was a simple observation I wanted to make. Je parle sous le contrôle de la Chambre des But of course, I rely on the Chamber's wisdom.
It's simply incorrect. La défense, what, ce que dit la co-avocate est tout simplement inexact. Les dernières estimations de Migosi concernaient 1970 et pour lui, le chiffre était de 150 000 ou 153 000 personnes. Migosi a quitté le pays quand la guerre a éclaté et il n'y est pas revenu. La co-avocate principale dit donc quelque chose d'inexact. Le président Lawyer. I think one refers to the figure dans un cas, je pense, of 1970, while the other refers to the figure of 1975. You cannot do a cross-reference of these two figures since they were meant for a different period of time. Les deux chiffres, puisqu'ils concernent des époques différentes. Through the interpretation, the lead co-lawyer la co-avocate principale a cité des chiffres of 1975, while Counselor Copper referred to a figure in 1970, which is a 5 years passage of time. Autrement dit, il y a une différence de 5 ans. On ne peut pas comparer dès lors ces deux chiffres. Peut-être le plus simple est de lire le paragraphe 2 qui se trouve à l'IRN 011-99-597. Ceci, je vais parler en anglais. Thus, honest use of Migosi's data par conséquent, would not raise 88,000 to 250,000. Une augmentation pour passer de 88 000 à 250 000, mais pour passer à 185 300 en 1970, the last year, soit la dernière année des observations de Migosi lui-même, and to et 2016, passerait à 216 000 by 1975. But the discussion is this is Vickery. La défense. And the question how you should ça, read it Vickery. Doesn't change the fact that la question est de savoir comment le lire. Rien n'est changé au fait que Migosi emploie le chiffre global approximatif de 150 000. La question est de ce qu'on fait des chiffres de 75. Kiernan gonfle les chiffres. D'après Vickery, il y avait une guerre et le débat porte sur les chiffres de 75. C'est ça le débat. Je suis prêt à le tenir, ce débat, avec la démographe Eva Tabo, si elle est citée à comparaître. J'ai sauté ce point de l'argumentaire pour parvenir directement au résultat, monsieur le juge Lavergne. Je vous remercie. Je vais passer la parole au conseil de la défense de Kyusampo. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur Ysa Osman. Good afternoon again, Mr. Une question Ysa de Osman. Précision tout d'abord. I would like to put some questions to you for à l'audience d'hier. First, il me semble, le 23 mars, hearings, vers 10h. 14 minutes et 41 secondes. 14 minutes and 41 seconds. Vous avez répondu à une question de mon confrère Copé. Vous avez indiqué, je vous cite, Maître, dans le following, cadre de mes recherches, j'ai circonscrit research, les lieux de recherche à Krochmar et au district de Kangmia. Il faisait partie de la zone est et de la zone centrale du district. Fin de citation. Est-ce que c'est bien exact et vous confirmez que vous avez mené vous-même vos recherches dans ces deux districts, à Krochmar et à Kangmia? You carried out your research in those two districts at Krochmar and Kangmia? Yes, that is correct. Oui, c'est however, exact. I would like to add more info because it is
and additional info besides the two districts, since I also spent time doing research in Kamponsim and Chamkarlu. En disant que j'ai mené des recherches à Kamponsim et Chamkarlu. Dans l'examen des interviews que vous avez menées, nous n'avons trouvé au sein de notre équipe qu'un seul entretien correspondant à une personne habitant à Chamkarlu et il s'agit de Sos Kamre. Est-ce qu'il est bien exact que vous avez interrogé Sos Kamre et que lui il était dans ce district de Chamkarlu? He was in that district of Chamkarlu. Bạn trầm trầm vấn tay. Answer, that is correct. Réponse, c'est exact. If allowed me to go back to my book, permettez-moi there may de have me been reporter à mon more ouvrage. Than one individual at Chamkarlu. Il y a eu plus d'une personne. There is another individual, so Rosat, and also another individual whom I cannot recall his or her name. En plus d'une autre personne dont je ne me souviens pas du nom. Donc, si je comprends bien, et vous avez interrogé trois personnes de Chamkarlu, et est-ce que vous pouvez préciser dans le cadre de quel ouvrage exactement vous avez fait ces recherches-là? In which book exactly you got that information or you did the research? Based on which books did you carry out the research? Answer. Réponse. I have interviewed Mr. Sorosat at Chamkarlu. J'ai interrogé Monsieur Sorosat à Chamkarlu. And as for Sokamre, to my recollection, à ma connaissance, I have also interviewed that later Sokamre. Je l'ai interrogé plus tard. I may have confused, but I can recall that there is another individual that tromper, I have interviewed. Mais je me souviens qu'il y avait une troisième personne que j'ai rencontré dans and le cadre after de mes entretiens. I have worked with the OCIJ, I have interviewed many individuals, so I cannot recall how many interviewees specifically I have interviewed and at which locations que j'ai interrogé et à des endroits bien précis. Et quels étaient les endroits précis où je les ai interrogés? Là, je voudrais m'intéresser spécifiquement aux recherches que vous avez menées dans le cadre de vos deux ouvrages, Ukuba et The Cham Rebellion. Donc, je vous repose la question. Est-ce que vous avez mené des recherches sur Chamkarlu au moment où vous avez rédigé ces ouvrages? Et si oui, pour lequel de ces ouvrages? Ou si c'est pour les deux, est-ce que vous pouvez le préciser? Which of the books? If it is for both books, could you please specify that? Answer. Regarding the information réponse. I got from Sos Kamre, I included in both of my works. De Sos Kamre, je les ai tout intégré dans mes travaux, dans mes ouvrages, mes deux ouvrages. Et puisque vous avez indiqué que vous avez interrogé and également deux autres personnes de Chamkarlu, est-ce que vous pouvez indiquer dans Chamkarlu, lequel de vos ouvrages vous avez intégré ces in entretiens? Which of your books you included those interviews? Sohrosat, that name, to my recollection, was in my is in my first publication. À ma connaissance, a été cité dans mon premier ouvrage. Another individual ouvrage. You have just mentioned. Et l'autre personne dont that is the third individual nom, cannot be recalled. I mean, his name cannot be recalled by me. Je ne me souviens pas de cette troisième personne. Est-ce que
il est exact de dire que Sos Camre ont tous les deux des fonctions importantes dans la représentation dans les associations représentatives des affaires religieuses. That were in charge of religious affairs. Answer. Réponse. Sos Camre was a leader or chief in one community. Était le chef ou le dirigeant d'une communauté. There is the senior committee of Cham people in Cambodia. C'est le comité suprême des Cham. And Sos Romsan was the associate of Sos Camre, and he was also working in that committee. Sos Camre et travaillait également au sein de ce comité. Est-ce que vous avez rencontré Sos Rosat par l'intermédiaire de Sos Camre ou l'avez-vous rencontré différemment? Sos Camre, or you met that person under different circumstances? Answer. Réponse. It was not because of the fact that Sos Camre introduced him to me. In fact, Sos Camre I wanted to know about the livelihood of Cham people in Kampong Spu during the Khmer Rouge time. Les conditions de vie des communautés Cham. I met villagers in that village, and they referred to me to see Sos Rosat. Sos Rosat used to be arrested, and later on was released and survived the regime and other inmates that were detained with him at the time. Died and perished because I wanted to know about the livelihood of people in Spu. That's why I decided to go and see him. Mr. Rumsan. Les habitants de Spu, je suis allé le rencontrer, Monsieur Sos Rosat. Est-ce que vous pouvez nous donner une précision parce que nous avons retrouvé les références, enfin la référence à Sos Rosat dans votre ouvrage Ukuba, document E3/18/2 à la page 114. Et voilà comment vous le décrivez. C'est bien lui dont il s'agit. Tun Sos Rosat. Pardon, je vais continuer en anglais. I will continue in English. A former villager at Trapang Chuk. Bong Subdistrict, Bahai District, Kampong Tom Province, province de Kampong Tom. Now a member of Ayers Council for Islamic Religions Affairs in Cambodia, membre des affaires at kilometer 8, etc., etc., pour son adresse. Au kilomètre 8. Donc, ma question est la suivante. C'est son adresse. Est-ce que c'était son expérience à Trapang Chuk ou à Cham Karle qui ressortait de son entretien avec lui. Answer. To my recollection, he was originally from Trapang Chuk. Pour autant que je m'en souvienne, Barai il est originaire Kampong de Trapang Chuk, prior to Khmer Rouge time, district de Barai, province de Kampong Chom. He resided in avant Mo les Khmer Rouge, village or il Spu, résidait au village in de Spu, à Cham Karle. Dans ces conditions, si j'ai bien compris, under those conditions, pendant le Kampuchea démocratique, il n'était plus
during the à Chamkalu, period of Democratic Cambodia, he was no longer in Chamkalu. Is that correct? Answer. I cannot remember all the accounts he told me. Je ne me souviens pas considering de the period de son between récit. 2006 and 2016. I may have entre not recalled everything. 2016 je ne me souviens have not pas only interviewed one individual interviewee, but many, many hundreds of them, so I cannot recall all the details of their stories. Je ne peux donc me souvenir de tous les détails des récits que j'ai entendus. Monsieur le Président, je vois que vous voulez marquer la pause, donc je m'arrête là. Mr. President, I think we can take the break here. Le Président, je crois que nous pouvons observer la pause à ce stade. President, thank you. So how much more time le Président, you need to, combien de temps vous faudra-t-il questions to this expert witness? Mettre pour poser les questions au témoin expert. Je dois dire que je n'ai pas le décompte de mes 25 minutes, mais j'essaierai de me conformer au temps que la Chambre a indiqué aux parties. Donc là, franchement, il faut que je voie avec mon équipe qui tient le chronomètre. Mais en tout cas, j'espère faire usage du temps qui avait été alloué aux équipes de défense. On m'indique qu'il y aura, il y aurait environ une dizaine de minutes. I'm being told that I still have about 10 minutes. President, thank you. It is le now président. Break time. Merci. The chamber will take a nous short break from now pause. Until 3 o'clock. Une courte pause court officer, please 15 assist heures. The expert witness during the break time. Huissier d'audience, veuillez prendre soin du témoin pendant la pause. And please invite him back together with the legal officer from the OCIJ back into aux côtés the witness stand. De la juriste du bureau de co-juge d'instruction dans le prétoire à 15 heures. L'audience est suspendue.